Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Ski Mag vous est présenté depuis les pistes de ski du Mont Saint-Sauveur. Le mot ski origine des langues scandinaves. En norvégien, il signifie « morceau de bois ». Le ski s'est développé dans la région des Laurentides, pour ce qui est du Québec, principalement comme moyen de locomotion pour se déplacer sur neige, puis comme sport de participation et de compétition. Le ski a largement contribué et contribue toujours au développement économique et touristique, voire même culturel des Laurentides. Cette semaine à Ski Mag, nous explorons les nouveautés de la station offrant la plus longue saison de ski au Québec, le Mont-Saint-Sauveur. Le domaine skiable de l'époque se situe entre Shawbridge et La Belle. D'abord occupé par des Amérindiens nomades, le territoire est exploité au 19e siècle par des compagnies forestières. Des politiciens et des ecclésiastiques désireux de contrer l'exode des Canadiens français vers les manufactures de la Nouvelle-Angleterre tentent de développer ce territoire. On décide de faire vivre les Laurentides l'hiver et on développe le ski. On retrouve des paroisses entières où tous les hommes ont cessé d'aller au chantier. Avec l'arrivée puis le prolongement du petit train du Nord, les Laurentides deviennent accessibles en hiver comme en été. Les skieurs profitent enfin de ses reliefs montagneux et de sa nature généreuse. Le Mont-Saint-Sauveur aujourd'hui, c'est 38 pistes desservies par 8 remontées mécaniques et combinées avec le Mont-Avila, c'est un des domaines skiables les plus importants des Laurentides. Le Conseil canadien du ski a offert cette année le prix du Leadership Jimmy Spencer à Christian Dufour, directeur de l'expérience client des stations de la Vallée de Saint-Sauveur. Christian, la réception du prix Jimmy Spencer pour la qualité de l'innovation, un bel honneur, un beau velours. Bien, c'est sûr que c'est toujours le fun de recevoir des prix de même. Puis c'est un bel hommage, je pense, à toute l'équipe de Mont-Saint-Sauveur. Et non seulement Mont-Saint-Sauveur, mais aux gens qu'on côtoie régulièrement dans l'industrie du ski, au sein de l'association. On a une très belle énergie dans les stations de ski. On a une belle entraide. Puis c'est le fun de travailler ensemble dans le but de régler des défis et dans le but d'assurer que les clients viennent skier au Québec ou au Mont-Saint-Sauveur ou dans la vallée de Saint-Sauveur, peu importe c'est où, mais qui viennent trouver le plaisir d'une façon sécuritaire de s'amuser en famille. C'est le plus beau sport que les gens peuvent faire en famille de loin, puis c'est le fun de pouvoir partager ça. Puis l'hommage, je pense qu'il est bien dédié à tous ces gens-là qui œuvrent jour et nuit à s'assurer que le ski est plaisant pour tout le monde. Pour mentionner que Christian Dufour, c'est aussi le gentleman du ski et probablement d'aussi longtemps que je le connaisse, le gars le plus modeste qui existe dans l'industrie du ski. Merci, Jean-Luc. Le ski a beaucoup évolué. Des billets de ski que l'on collait sur une broche, aujourd'hui, on propose beaucoup mieux. Depuis l'an dernier, le Mont-Saint-Sauveur offre des cartes à puce électroniques qui facilitent grandement l'accès aux pistes. Elles sont rechargeables et vous pouvez même recharger sur Internet à partir de votre téléphone intelligent pour votre prochaine visite de ski. Mont-Saint-Sauveur est la seconde station à adopter le remontée à radio-identification au Québec et la seule au Canada à utiliser le système Access. Il y a plusieurs avantages à utiliser la GoPass. Vous obtenez automatiquement 10 % de rabais à l'achat de vos premiers billets et 15 % par la suite. Votre passe vous est aussi attitré pour les 5 prochaines années. Plus de papier gaspillé. Ton titre de directeur expérience client, c'est pas simplement un beau titre qu'on met sous une petite affiche dans un bureau. Les gens qui viennent à Saint-Sauveur te voient sur les pistes et en fait, tu vas toujours chercher le pouls un peu de la montagne. Bien, on est dans le ski parce qu'on aime ça, on est des passionnés. On a ski ensemble, Jean-Luc, quand on était jeunes ici. Puis je pense que ça reflète bien la passion qu'on a pour le sport. Puis si on ne pouvait pas être dehors puis en profiter, bien, on ne serait tout simplement pas dans la bonne business. La raison pourquoi on travaille dans le ski puis on œuvre là-dedans, c'est parce que vous allez voir mon père, mes frères, toute la famille, les Hébert qui sont en ski de façon régulière.
Puis on est là parce qu'on aime ça, on adore partager la passion qu'on a pour le ski alpin, puis de découvrir des visiteurs qui viennent nous voir année après année. On connaît assez bien le Mont-Saint-Sauveur. Est-ce qu'il y a encore des pistes qui sont à découvrir? Il y a toujours des nouveaux secteurs à découvrir, à redécouvrir. J'adore aller faire un tour toujours du côté du Mont-Villa, voir la Jackrabbit, le nouveau snowpark qu'on vient tout juste d'ouvrir, avec à chaque année qu'il y a des modifications, des nouveaux défis dedans. Mais c'est une place que, peu importe combien de fois qu'on fait la piste, on dirait qu'on réussit toujours à trouver un petit coin caché. Puis j'ai une couple de places à t'amener pour te montrer ça. Je te suis. All right. Alex, on va aller faire la coureur des bois. C'est dans le secteur de la Planque, un beau petit bois. Pour les intéressés, le coureur des bois se prend depuis la côte 72 du secteur La Planque. C'est pas juste nous autres qui a survécu. C'est super, ça, Christian? C'est super, hein? Wow. Un peu serré, mais ça passe. Wow. Ça fait qu'il y a toujours des belles petites découvertes à faire, des nouvelles places à visiter quand on vient à Saint-Sauveur. Christian, on se trouve presque au lieu de départ du Shakedown, qui est maintenant un événement phare ici au Mont-Saint-Sauveur, qui est connu, reconnu, qui attire des milliers de personnes. C'est pas le seul événement sur la montagne. C'est pas le seul événement. C'est bien entendu notre plus fort. C'est un peu le trademark, le Ride Shakedown, qui vient finir la saison d'hiver, le 5 et 6 avril cette saison. Ça va être un très bel événement. Mais tout au long de l'année, comme tu le sais, tu l'as souvent fait ici dans la piste 70, des courses de boss, sinon c'est des courses de ski alpin. Et bien entendu, on a des nouveaux événements cette année, dont les samedis soirs insomniaques. Ça va se dérouler les 26 janvier, 9 février et 23 février. Et c'est des samedis soirs qui sont un peu plus pour la majorité de la clientèle. Tous les skieurs sont bienvenus à venir participer. Il y a de l'animation en remontée mécanique, des tirages, plusieurs commanditaires et partenaires qui sont là. Et bien entendu, on fait tirer un voyage pour Banff, Lake Louise, Ski Big Three. Alors, c'est un événement très, très sharp qui amène beaucoup de monde. Puis on espère qu'encore les gens vont venir en profiter. Il y a des prix spéciaux pour ces samedis-là. Ça vaut la peine de regarder sur Internet. Le Mont-Avila reste toujours un peu la pierre angulaire des parcs à neige avec des modules qui sont toujours très impressionnants. Le Mont-Avila, c'est vraiment la station multi-activité des Laurentides. Il y a des glissades sur tube qui sont là. Également, les parcs à neige, qui est une signature pour le Mont-Saint-Sauveur. On vient tout juste de l'ouvrir et à chaque année, il y a des nouveaux modules, des nouveaux features qu'on met dedans pour le plaisir des jeunes qui viennent s'amuser et passer l'hiver avec nous. Christian Dufour, merci de l'accueil. Il y a toujours un plaisir de skier sur vos pentes. Content de te voir, Jean-Luc. J'espère que tu vas venir nous voir cet hiver. Ça sera pas long. Depuis l'an dernier, il est possible de profiter du nouveau bar du Mont-Saint-Sauveur baptisé T-Bar 70. Le nouveau design fusionne les styles rustiques et contemporains grâce à des matériaux nobles, à une ambiance conviviale et à la chaleur recherchée lors des soirées d'après-ski. On peut y déguster un bon repas, relaxer entre deux descentes ou vivre des 5 à 7 endiablés dans un décor lounge. En compagnie de Simon Pagé, directeur des écoles de ski du Mont-Saint-Sauveur. Ça regroupe tous les satellites de la montagne, évidemment. Simon, il y a des forfaits exclusifs qu'on retrouve au Mont-Saint-Sauveur. Oui, nouveaux forfaits cette saison. Très, très agressifs pour attirer les nouveaux skieurs, les gens qui veulent s'initier à la glisse, qui n'ont jamais pratiqué le sport. On a des forfaits qui incluent leçons privées,
équipement de location ainsi que billets remontés. Le tout pour un forfait de 2 heures à un prix très, très abordable pour inciter les gens à venir découvrir notre merveilleux sport. Est-ce que c'est un forfait qu'on retrouve uniquement à Saint-Sauveur ou aussi aux autres stations? Non, dans l'ensemble des stations du groupe, là, ce forfait-là est disponible dans nos écoles de ski. Évidemment, d'être directeur des écoles de ski, ça représente combien de moniteurs pour l'ensemble du groupe? L'ensemble du groupe, on parle au-dessus de 750 moniteurs pour toutes nos stations. Est-ce que la manière d'enseigner le ski a évolué depuis les dernières années ou c'est toujours la même technique qui n'a pas changé depuis les années 80? À la base, c'est sûr que l'enseignement du ski a toujours resté sensiblement la même chose. Je vous dirais ce qui a beaucoup évolué au cours des années, c'est l'approche vraiment face aux élèves. C'est beaucoup moins technique aujourd'hui, beaucoup plus tactique, plus sur la fonction et moins sur la forme. L'enseignement aux enfants, c'est vraiment ce qui est notre principal travail à effectuer, dans le sens qu'on a beaucoup, beaucoup d'enfants initiés. Là, c'est vraiment les jeunes enfants qui viennent dans nos écoles de ski. Le Mont Avila met beaucoup d'emphase sur l'apprentissage et aussi sur la formation de nouveaux skieurs, la relève. On propose une aire d'apprentissage pour débutants des plus complètes. On retrouve sur place une remontée mécanique dédiée à la piste pour débutants. Aussi, les enfants pourront apprendre la glisse dans un environnement spécifiquement conçu pour eux. On propose aussi le seul carrousel de la région qui fait le plaisir des tout-petits. Présentement, on remarque un petit peu moins d'adultes qui viennent prendre des leçons de glisse. Je crois que dans les dernières années, l'évolution de l'équipement a permis à plusieurs personnes de s'améliorer un tout petit peu. Par contre, l'ensemble des skieurs sur la montagne pourraient bénéficier de leçons, là, que ce soit des leçons des fois un petit peu plus challengeantes sur différents terrains, terrains bosselés, sur des terrains un petit peu plus durcis des fois, de la neige un petit peu plus brassée. Je pense que tout le monde gagnerait là, à prendre des leçons. Là. Alors, Simon, la montagne est de toute beauté après ces belles averses de neige. Toi qui es souvent sur la montagne, est-ce qu'il y a des petites choses récurrentes que tu aperçois quand tu regardes l'ensemble des skieurs? Je pense que sur la majorité des skieurs, souvent, on voit trop d'efforts pour absolument rien. Je pense que souvent, le minimum d'efforts pour un maximum de résultats va être beaucoup plus efficace. Souvent, on voit des gestes nuisibles. Les gens essaient de trop en faire sur les terrains. Des fois, débutants, novices, on essaie de performer comme si on était dans une descente de Coupe du monde. Trop de mouvements, donc ça peut presque attirer des déséquilibres. Et puis... Exact. Souvent, des gestes inutiles qui vont causer des déséquilibres, c'est souvent ça qu'on voit là, chez la majorité des gens. Est-ce qu'il y a une manière un peu d'illustrer tout ça? Oui, je pense qu'un super bon exemple serait de... On m'a toujours dit, regarde, quand tu skis, tu dois pas faire mal à la montagne. Ça, c'est super important. De rester le plus doux possible. Le plus doux possible, peu importe, des fois, bon, les conditions de neige sont optimales présentement, des fois, on a des conditions plus variables un tout petit peu. Souvent, les gens essaient de peser quand ils voient les conditions plus difficiles, exemple, une plaque de glace. On doit être le plus doux possible pour justement rester en équilibre et bien performer. La période de Noël fut faste, même si on est fin janvier maintenant, on commence déjà à penser à la semaine de relâche. À Mont-Saint-Sauveur, vous avez des programmes au niveau de l'école de ski pour cette période-là? Oui, plusieurs activités pendant les relâches scolaires à Saint-Sauveur-Avila. À Saint-Sauveur, on va avoir des camps de 4 jours pour des jeunes qui veulent s'initier à la pré-compétition, terrain un peu plus avancé, bosselé. On n'oublie pas aussi les gens qui veulent s'initier à la glisse, bien évidemment. Et on va avoir un camp spécifique au Mont-Avila durant la relâche, un camp de freestyle, les amateurs de parc à neige, autant en ski qu'en planche, spécifiquement les jeunes de 6 à 12 ans, qu'ils soient avancés dans le parc ou qu'ils veulent s'initier pour la première fois. C'est le produit idéal pour eux pour passer une belle semaine de relâche. Simon, merci beaucoup pour les conseils, pour la visite, pour nous avoir montré ces aspects de la montagne. Puis bonne continuation aussi avec les écoles de glisse du Mont-Saint-Sauveur. Merci infiniment, c'est un grand plaisir. Puis on attend les gens en grand nombre cet hiver dans toutes nos écoles de glisse. Le 26 mai 1982, le journal des Pays d'en haut annonce la fondation du musée du ski des Laurentides et du Temple de la Renommée par un groupe de passionnés désireux de préserver l'héritage du ski laurentien. Pendant 10 ans, le musée présente des expositions ici et là. À l'occasion de son 30e anniversaire, le musée du ski des Laurentides présente sa première exposition permanente intitulée « L'histoire du ski dans les Laurentides, vivre en hiver, de l'hiver et avec l'hiver ».
À partir de sa collection comptant plus de 3500 artefacts incluant objets, photographies, vidéos et témoignages, le Musée du ski des Laurentides aborde l'histoire de la région reliée au développement d'un sport d'hiver, le ski et de ses différentes disciplines. Vers 1930, une invention majeure, la remontée mécanique, bouleverse la pratique du ski. Désormais, on distingue le ski alpin du ski de fond et de randonnée. Les centres de ski se développent tant et si bien que la pratique de ce sport devient la principale activité économique hivernale des Laurentides. Entre 1950 et 1980, le ski continue de gagner en popularité. La pratique de cette activité devient plus facile. Pour souligner le centenaire de l'arrivée dans les Laurentides d'Émile Cochon, le musée vous présente une exposition intitulée « Hommage à Émile Cochon, la grande aventure laurentienne ». Cette exposition ne prétend pas retracer toutes les étapes de la brillante carrière d'Émile Cochon. Elle vise, en évoquant quelques souvenirs, à témoigner de quelle façon cet homme et les membres de sa famille ont contribué à faire des Laurentides le berceau du ski au Canada. D'autres figures marquantes du ski trouvent aussi leur place, telles les jumelles Rona et Rhonda Hurtle, qui ont été intronisées à 90 ans au Temple de la renommée du Musée du ski des Laurentides. Cette récompense hautement méritée vient en effet souligner plus de 40 ans de dévouement pour le sport, qui a permis à ces jumelles de dominer sur les pistes des Laurentides de Saint-Sauveur à Tremblant. It's a delightful place with all the lakes and mountains, and the skiing is certainly unique here. All the towns you go through to reach up to Tremblant and beyond, and so many things you can do. And now with skiing, it's not only skiing, it's snowboarding and all these other sports that are evolving that are so exciting to watch. The Laurentians have developed this. Some of the towns send school kids out and develop their skiing techniques, and they do so much, and they're so aware of each other and encourage people from all over the country to come here. And they should come from the west too. They may have the high mountains there, but we have a very unique time here. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h. L'entrée est gratuite, mais une contribution de 3 $ par adulte est suggérée. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Pensez-vous que je vais être capable de voir tous les reliefs sur la neige avec ces lunettes-là? On s'en blague, il existe différents types de lunettes. Des cadres plus gros, des cadres plus petits. Tout dépend de la morphologie de votre visage. Il y a certains modèles, depuis cette année, qui sont ajustables. Donc, dépendamment de la grosseur de vos joues, de la largeur de votre tête, tout s'ajuste maintenant. Certaines compagnies ont sorti des modèles ajustables pour le visage. Donc, dépendamment de la grosseur de vos joues, on peut ajuster très facilement. Un tour de vis, l'épaisseur de la lunette. Dans les lentilles, la grande tendance cette année, la teinte naturelle. C'est vraiment polyvalent. On parle de lentilles pour le jour autant que pour le soir. Et très populaire aussi chez les jeunes, la lentille pour les conditions ensoleillées, la lentille chromée. Et pour ceux qui veulent éviter les manipulations, certaines compagnies comme celle-ci ont sorti des verres qui s'adaptent aux différentes intensités lumineuses. Celles-ci sont même adaptées pour les gens qui portent des verres correcteurs. Pour conclure, je vous invite à apporter votre casque avec vous lorsque vous allez magasiner vos prochaines lunettes, histoire que le fit soit le plus étanche possible. Bon ski! Le Conseil canadien du ski a publié en 2012 de nouveaux résultats d'enquête qui indiquent que 83,1% des skieurs et surfeurs canadiens portent maintenant régulièrement un casque. Le taux du port du casque, qui était de 79,9% en décembre 2011, a donc passablement augmenté. Cette hausse remarquable du taux du port du casque reflète les efforts de l'industrie canadienne du ski et du surf des neiges et d'autres intervenants pour sensibiliser les skieurs et surfeurs aux avantages et aux limitations du port du casque. Il y a du nouveau cette saison, le dragon, une tyrolienne double sur laquelle deux visiteurs prennent place en position assise. Des sensations fortes garanties. Thank you.
C'est en 2009 qu'on inaugure la montagne russe alpine au Mont-Saint-Sauveur, le Viking. C'est un investissement de 2,5 millions de dollars. Il s'agit d'une activité unique au Canada et 4 saisons. La descente peut se faire en solo ou en duo. Le Viking, pour terminer une journée exceptionnelle au Mont-Saint-Sauveur, sensation forte, garantie, vous contrôlez votre vitesse. 1,5 km de descente. Voilà qui termine une journée bien remplie. Ici Jean-Luc Brassard, merci d'avoir été des nôtres à SkiMag. La semaine prochaine, nous serons au Mont Sutton. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. SkiMag vous a été présenté par les boutiques SkiTown, la ville du ski. SkiMag a été enregistré sur le site du Mont-Saint-Sauveur. C'est effectué dans les Laurentides, plus précisément à Saint-Sauveur-des-Monts. À l'origine, il servait de moyen de moyen. Attends un peu, je vais te fermer ça. Un peu plus d'énergie! Pendant 10 ans, le musée présente des expositions ici et là. À l'occasion de son 30e anniversaire, le Musée du ski des Laurentides présente une exposition permanente intitulée « L'hiver au Musée du ski des Laurentides ». Un groupe de passionnés annonce l'ouverture du Musée du ski des Laurentides par un groupe de passionnés vraiment passionnés.